On dit parfois qu'une image vaut 1000 mots et il est vrai qu'une illustration bien choisie permet de simplifier ou de rendre plus digeste une idée un peu complexe. Et bien ça tombe bien parce que Excel a plein d'outils qui permettent d'insérer des images, des formes et notamment des graphiques à partir des données que vous avez déjà dans un tableur. C'est précisément ce que l'on va voir dans cette vidéo. j'ai ici un tableau de données d'exemple qui est issu de l'un de nos cas pratiques et on va y retrouver les performances de six commerciaux que l'on trouve ici à gauche et on va retrouver notamment du coup leur vente réalisée durant l'année 2019, le chiffre d'affaires associé et puis le détail de leur vente et chiffre d'affaires durant toute l'année 2020. Donc on a des éléments par trimestre et puis les totaux qui sont à la fin. Pour tout ce qui concerne l'insertion d'éléments graphiques, tout va se passer en fait dans le ruban d'Excel, tout en haut, dans la partie insertion, donc juste à côté de l'accueil. Et il y a une première section de ce bandeau, qui est juste ici, qui s'appelle Illustration, dans lequel vous allez pouvoir insérer une image donc qui provient de votre ordinateur, de votre disque dur. Là par exemple, ce petit bandeau qui donne le nom de notre fichier, eh c'est une image qui vient d'un autre logiciel, qui a été exporté sur notre ordinateur, puis qui a été intégrer à ce tableur via cette section-là, illustration, image. On peut également, depuis cette zone, intégrer les fameux Smart Arts de Microsoft. Vous les avez peut-être déjà vus dans Word, pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers à leur utilisation dans ce logiciel. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de grandes nouveautés. Alors, si vous ne les connaissez pas, les Smart Arts, ce sont ces petits blocs de forme un peu schématiques qui permettent d'illustrer, par exemple, un processus. C'est le cas ici. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt l'insertion de graphiques. Alors, l'insertion de graphiques a lieu dans la même section du ruban. C'est toujours dans la partie insertion. Et au milieu du ruban, on trouve toute une zone dédiée au graphique. Pour faciliter la création des graphiques, je vais vous montrer comment on sélectionne ces données. Et de ce point de vue-là, votre meilleur ami, ça va être en fait la touche contrôle de votre clavier. En effet, la touche contrôle permet de faire de la sélection multiple. Autrement dit, si je souhaite sélectionner tous les chiffres d'affaires qui ont été réalisés en 2019 mais également tous les chiffres d'affaires qui ont été réalisés en 2020 dans cette colonne-là. eh bien, je ne peux pas a priori les sélectionner tous en même temps parce que comme vous pouvez voir, ils sont quand même séparés de pas mal de colonnes. Et c'est là où la touche contrôle intervient. Je vais commencer par sélectionner tous mes chiffres d'affaires qui se trouvent en 2019 puis je vais appuyer sur la touche « Contrôle », la maintenir, et là, je vais venir cliquer et sélectionner tous les chiffres d'affaires de 2020. J'ai donc fait ce qu'on appelle une sélection multiple, puisque j'ai deux plages de cellules distinctes et séparées qui ont été sélectionnées en même temps. Alors pourquoi je vous dis tout ça C'est parce qu'en fait, si vous voulez construire des graphiques avec des données qui sont séparées, et bien souvent c'est le, le cas, eh bien la touche « Contrôle » va vous être utile. Ici, là, dans mon exemple, on aimerait construire un graphique avec les performances en termes de chiffres d'affaires Donne aussi commerciaux pour l'année 2019 et pour l'année 2020, histoire que du coup ces euh, données de chiffre d'affaires, ces données financières soient côte à côte. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va du coup sélectionner, comme je viens de vous le dire, les chiffres d'affaires de 2019, appuyer sur la touche CTRL et la maintenir, et sélectionner également les chiffres d'affaires de 2020. De plus, afin d'illustrer notre graphique, je vais également sélectionner dès maintenant les noms de chaque commerciaux. Alors, pour que ce soit un peu sympathique, hein, histoire qu'il y ait un peu de personnalité, on va sélectionner leurs prénoms. Donc, comme d'habitude, j'appuie sur la Touche Contrôle, je la maintiens, et puis je viens sélectionner la liste des prénoms. Donc, si je dézoome, on voit que j'ai trois plages de cellules distinctes sélectionnées les prénoms, leurs chiffre d'affaires en 2019, les chiffres d'affaires de 2020. Maintenant que j'ai tous ces éléments, je vais pouvoir demander à Excel de me créer un graphique avec toutes ces données. Donc, pour cela, je vais me prendre dans, dans la partie insertion. Et là, je vais sélectionner le type de graphique que je souhaite. Alors, a priori, les graphiques les plus courants que vous serez amenés à manipuler, en tout cas dans un contexte professionnel, ce sont les histogrammes, là. Donc, ces, ces fameux graphiques en, en barres, en bâton. On a les courbes en 2D. Et puis, on a également les secteurs, qu'on appelle également plus couramment les camemberts, ou bien leur version un tout petit peu plus stylisée, les anneaux. Alors on va commencer avec un histogramme simple. J'ai sélectionné le premier type d'histogramme sans trop me prendre la tête. Et là vous voyez que déjà en fait Excel m'a quand même pas mal mâché le travail puisque on voit qu'il y a deux couleurs distinctes qui correspondent aux chiffres d'affaires de 2019 et 2020. On voit également que euh, ces valeurs ont été regroupées par commercial qui les a réalisées. Donc là par exemple la première commerciale Emily, eh bien on a deux barres, une pour le chiffre d'affaires total qu'elle a réalisé. En 2019 à savoir 347 200 euros et un autre pour 2020, 433 600 euros. Et on voit également qu'il y a déjà des, des axes là à gauche qui ont été rajoutés qui permettent de nous donner une, dire, une idée des, des, des montants que ces diagrammes représentent. Alors, c'est là où la version Mac et PC diffèrent un tout petit peu. Si vous utilisez Excel sur, une, sur Windows, eh bien, dès que vous cliquez sur un graphique, vous avez ces trois petits boutons -là qui apparaissent euh, en haut à droite, à savoir le petit plus qui permet d'ajouter un élément graphique supplémentaire, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Le pinceau, pour tout ce qui est élément euh, déjà préprogrammé, élément de style, je dirais, euh, dans Excel. Donc là, vous allez pouvoir changer un petit peu le, le style, le style d'histogramme, mais euh, comme vous pouvez le voir, ça reste des histogrammes, hein. c'est juste la une mise en forme globale qui change. Il y a également accès à une palette de couleurs depuis ici. Si vous voulez, par exemple, tout en monochrome bleu, avec juste des nuances de bleu. Et on a pour finir euh, l'entonnoir qui va permettre de sélectionner des données supplémentaires à intégrer dans ce graphique. Là, on voit par exemple qu'il y a quelque chose qui s'appelle série 1, qui est en bleu, qui correspond aux valeurs de 2019, et série 2, qui est en orange, qui correspond aux valeurs de 2020. Si vous êtes sur Mac, en fait, la plupart de ces options, vous pouvez les retrouver dans le ruban d'Excel, tout en haut, dans la partie Ajouter un élément graphique. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que euh, dans Excel, euh, l'insertion de graphique va faire apparaître des nouveaux éléments dans le menu. En effet, vous voyez que lorsque je clique sur mon graphique, donc là, je, on voit bien qu'il est sélectionné parce qu'il y a les petites poignées là, qui permettent de le redimensionner. Si j'avais cliqué ailleurs, on ne verrait plus les poignées. Donc si je sélectionne... Un graphique, et eh bien il y a deux nouvelles options qui apparaissent dans le ruban qui sont conception de la carte et mise en forme. Dans et ce sont dans ces deux menus que l'on va retrouver bah, différents éléments pour pouvoir mettre un petit peu en forme notre graphique. Donc, si vous êtes sur Mac, tout ce que je vais vous montrer là en fait sera disponible depuis ajouter un élément graphique. Mine de rien, une fois qu'on a fait ça, on a déjà pas mal d'éléments et je vais vous montrer quelques petites options supplémentaires de mise en forme qu'il est euh, utile de connaître. La première chose que j'aimerais modifier, c'est ces noms de série. Là, vous voyez que pour l'instant, ce qui est en bleu, donc les chiffres d'affaires de 2019, s'appelle série 1, alors que ce qui est en orange, les chiffres d'affaires de 2020, s'appelle série 2. Et donc ça, j'aimerais qu'on qu ait des noms plus explicites. Donc pour cela, rien de plus simple. Je vais aller modifier mes données. Je vais dire sélectionner des données. Donc pour cela, j'ai cliqué sur le petit entonnoir, sélectionner les données. Et là, on va retrouver nos séries. Donc, on voit qu'on a quelque chose qui s'appelle série 1 et série 2. Et si je clique par exemple sur ma série 1 et que je demande à Excel de la modifier, eh bien, on voit qu'il existe une liste de valeurs qui correspond à la série 1. Donc, cette liste de valeurs de G11 à G16, en fait, c'est le tableau, ou plutôt la colonne de notre tableau, dans laquelle se trouvent les chiffres d'affaires de 2019. Voilà, c'est là, G11 à G16. Mais en lieu et place euh, du nom de la série, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais vous montrer l'entonnoir, sélectionner des données. Et là, on voit que pour Série 1, quand je fais modifier, Nom de série, il n'y a rien. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez écrire un nom de série vous-même à la main. Donc, par exemple, là, je peux mettre CA espace 2019. Et si je dis « Ok, Excel m'a renommé ma série euh, Chiffre d'affaires de 2019 » et on voit que ce nom apparaît désormais dans la légende, là en bas dans mon graphique, et « Modifier », je vais faire la même chose pour « 2020 » et je vais vous montrer une autre possibilité. Euh, on peut également venir récupérer le contenu d'une cellule. Donc euh, si votre tableau est déjà bien prêt avec des noms d'entête très clairs, et on peut récupérer ce nom d'entête. Par exemple, pour le total de « 2020 », Là, si je clique voilà, sur l'entête de la colonne dont j'ai sélectionné les données, donc tout ce qui se trouvait ici, si je clique sur cette cellule Z10, eh bien Excel va me récupérer ce qui est écrit en Z10, c'est-à-dire total de 2020. Donc, si je dis OK, on voit bien que les deux ont fonctionné chiffre d'affaires de 2019 et total de 2020. Alors, il y a quelques éléments que je peux modifier directement depuis mon graphique. Par exemple, le titre du graphique. Je peux dire ici euh, chiffre d'affaires comparé de 2019 et 2020. Si je veux supprimer mon titre de graphique, je peux également le faire directement depuis ici. Il me suffit de le sélectionner et appuyer sur la touche supprimer de mon ordinateur. Et comme je vous l'ai dit, il existe également d'autres options de mise en forme qu'on peut retrouver depuis ajouter un élément graphique. Donc si vous êtes sur Mac, ici, là tout en haut à gauche. Et ce sont les mêmes options depuis Windows, depuis la version Windows, que l'on retrouve en cliquant sur le petit plus. Alors l'une des options qui peut être pratique de connaître, c'est les étiquettes de données. En fait, vous voyez que là, on ne connaît pas les valeurs exactes qui ont été réalisées par ces commerciaux. On voit bien, par exemple, que la première barre bleue, là, pour Émilie, elle approche des 350 000 euros et que la deuxième n'est pas très loin de 450 000 euros, mais on ne connaît pas les valeurs exactes. Alors elles apparaissent si je les survole avec mon curseur de souris, mais euh, nous, on aimerait bien les voir affichées. Et donc c'est ça, on... ça que Excel appelle les étiquettes de données. Donc je vais cliquer sur ajouter un élément graphique, puis étiquette de données, et là je peux définir quelle va être le, la place, en tout cas le, le lieu où vont être ajoutées les valeurs. Alors là, pour des raisons de lisibilité, je vais prendre le bord extérieur. Alors on voit d'ailleurs que... Euh Bien qu'on ait pris le bord extérieur pour certains histogrammes qui sont un peu proches, comme là c'est le cas là, pour Astrid avec ses deux performances en matière de chiffre d'affaires qui sont très proches, eh bien les étiquettes vont se superposer. Excel va vraiment faire comme il peut pour que ce soit le plus lisible possible, mais bon, ce n'est pas, pas toujours très bien optimisé. Voilà, donc on peut prendre une étiquette et puis la déplacer, voilà, si on veut gagner un petit peu en lisibilité. Donc ça c'est pour un premier type de graphique. Alors je vais me garder ça de côté, je vais le déplacer ici. Et puis je vais refaire la même chose et je vais vous montrer cette fois-ci comment est-ce qu'on peut faire un diagramme en camembert ou en anneau d'ailleurs. Et on va découvrir ensemble une ou deux options de mise en forme supplémentaire. Donc c'est reparti. Je sélectionne mes commerciaux. J'appuie sur CTRL et je maintiens la touche tout en sélectionnant mes chiffres d'affaires de 2019. Puis je fais CTRL de nouveau et je sélectionne mes chiffres d'affaires de 2020. Je vais dans Insertion, j'insère cette fois-ci un graphique en nano, je vais tirer un petit peu et on va découvrir quelques options supplémentaires. Déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que les éléments graphiques ne sont pas tous les mêmes en fonction du type de graphique que l'on insère. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on avait beaucoup plus d'options dans la partie histogramme. Je vais vous montrer, si je sélectionne mon histogramme et que je vais dans Ajouter un élément graphique, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Euh, J'ai un total de 11 sous-menus disponibles. Ce qui n'est pas le cas avec mon diagramme en anneau, parce que j'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le nombre d'options pour les éléments graphiques varie en fonction du type de graphique que vous insérez. Là encore, j'aimerais rajouter les étiquettes de données. Donc je vais aller sur le petit plus qui est là et cocher étiquette de données. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez aller dans Ajouter un élément graphique, étiquette de données. Et puis cliquer sur afficher. Donc on retrouve nos valeurs en euros. On retrouve les mêmes problèmes de lisibilité dont je vous avais parlé. Là on voit bien par exemple que ici là on a deux étiquettes qui se superposent. Mais avant de les bouger, je vais reparamétrer un tout petit peu le graphique. Je vais le modifier un peu. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour cela, je vais venir sélectionner, enfin cliquer sur l'anneau qui est intérieur. Et en fait, si je fais un double clic je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître là sur la droite et qui va me donner accès à des options de euh, mise en forme. Donc là, par exemple, pour mon anneau, eh je peux modifier son épaisseur. Donc si je réduis un petit peu l'épaisseur en pourcentage, vous voyez que du coup, je me retrouve avec un anneau central qui est un peu plus épais, qui remplit un peu plus le, le cercle qui est vide à l'intérieur. Alors l'autre option que je trouve un, un peu chouette et qu'il est utile à connaître dans Excel et qui valable d'ailleurs pour tout type de graphique, eh C'est le fait de pouvoir convertir euh, ces données en pourcentage. Je m'explique. Euh, imaginez que là en fait ce qui m'intéresse dans ce deuxième euh, graphique, ce ne soit pas tant les chiffres d'affaires réalisés que le pourcentage de chiffres d'affaires de l'équipe. Eh pour cela, rien de plus simple, il me suffit de sélectionner une étiquette de données. D'ailleurs, vous voyez qu'Excel me d'ailleurs me, comment dire, me toute la série correspondante. Donc là, en l'occurrence, j'ai sélectionné une étiquette de l'anneau extérieur. Donc ça correspond au chiffre d'affaires réalisé en 2020 par l'équipe. Et vous voyez que ça ne m'a pas sélectionné que euh, ce 433 600. Ça m'a également sélectionné eh bien, toutes les autres valeurs de la série 2020. Donc je vais cliquer sur l'une de, euh, de ces étiquettes de données. Et euh, dans le nouveau menu qui est apparu à droite, je vais cliquer là-dessus sur ce petit bouton qui s'appelle Option d'étiquette qui correspond à, des, euh, à un petit histogramme. Et si j'ouvre le menu du roulant d'options d'étiquettes, eh bien là on voit qu'en fait j'ai quelque chose qui s'appelle valeur que je vais pouvoir décocher et je vais cocher plutôt à la place pourcentage. Donc là vous voyez qu'en fait Excel m'a calculé automatiquement les pourcentages par rapport au total de ces valeurs. Autrement dit, le commercial qui a, enfin, la commerciale qui a réalisé 433 000 euros de chiffre d'affaires en 2020, elle a fait à elle seule 34% du chiffre d'affaires de son équipe. Donc pour la deuxième personne de l'équipe, eh cette deuxième personne a réalisé 18% du chiffre d'affaires total, etc., etc., Donc ça c'est assez pratique si vous avez av si vous avez besoin d'avoir du coup des, des, des pourcentages comme ça au sein de votre série puisque ça vous évite en fait d'avoir les calculer, de faire une colonne dédiée et de la sélectionner, etc. On peut faire la même chose du coup pour l'anneau central. Je vais sélectionner encore une fois une étiquette. On voit qu'Excel me sélectionne l'étiquette de toute la série. Je vais aller dans les options d'étiquette et là je vais venir euh, décocher valeur et cocher à la place pourcentage. Donc on voit bien qu'on a récupéré nos pourcentages. Dernière option d'affichage qui peut être sympa de connaître dans ce cas là, eh bien en fait c'est que si on n'a pas de légende, alors soit parce qu'on a décidé de la supprimer, donc là, la légende elle est en bas pour l'instant c'est les numéros de commerciaux. Mais si on avait supprimé cette légende, on a tout à fait la possibilité en fait de la faire réapparaître à côté des étiquettes. Donc je vais retourner dans mes options d'étiquettes et là il y a quelque chose qui s'appelle nom de catégorie. Et si je le coche, vous voyez que le numéro de chaque commercial apparaît avec le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé. Alors, après, pour des raisons de lisibilité, voilà, je peux venir déplacer tout ça et le mettre plutôt en périphérie extérieure pour gagner un petit peu en lisibilité. Et du coup, je me retrouve à quelque chose comme ceci. Alors voilà, vous avez désormais toutes les bases pour faire des graphiques et insérer des éléments graphiques dans Excel. Dans une future vidéo, on sera amené à découvrir quelques options supplémentaires un peu plus poussées. Mais déjà, avec ce que je vous ai montré, vous pouvez dès à présent commencer à créer des tableaux de bord un petit peu sympathiques, un peu paramétrés sur mesure, avec des options d'affichage que vous souhaitez. Je vous invite d'ailleurs à naviguer, à être curieux, curieuse et à regarder par vous-même un petit peu tout ce qui se trouve dans ce fameux menu d'ajout d'éléments graphiques. Euh, du coup, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à partager vos retours en commentaire. On sera ravis d'y répondre. Et puis, il ne me saute plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage d'Excel. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur notre chaîne YouTube ou dans nos formations.